Bonsoir, bonsoir les amis du scrap. Nous revoilà pour alors, entre guillemets, l'avant-dernière ouverture de calendrier de l'Avent de Christelle de la chaîne New Noon Créa. Parce qu'on est le soir, on est jeudi 23 décembre. Donc, il me reste donc deux cases, on est d'accord, c'est-à-dire aujourd'hui le 23 et demain le 24, mais elle m'a aussi offert un cadeau à ouvrir que le 25. Donc, je ne sais pas si le 25, je filmerai l'ouverture de son cadeau en direct. En tout cas, je vous montrerai le cadeau, ça c'est sûr. Mais on n'en est pas là, on en est au jeudi 23. Donc on va ouvrir ensemble, surprise, surprise. Il est 10h30 du soir. Donc on va ouvrir avec Bernie pour découvrir la surprise. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est sympa, c'est des petites coupelles. Alors, je ne connaissais pas du tout. Alors, tu m'expliqueras, Christelle. Je sais, je. Alors, c'est peut-être pour faire des capsules altérées. Je ne connais pas. Alors, je connais les capsules altérées. Après, j'en ai jamais fait. Ça ressemble à des couvercles de bocaux. Alors, je pense que tu les as achetés comme ça. Et je pense que c'est pour faire des shakers peut-être ou des capsules altérées. À moins que c'est pour autre chose, qui n'a rien à voir avec le scrap. C'est vrai que ça peut faire aussi je dirais pas des cache-pots, mais pour y mettre une petite bougie, pour pas que la bougie s'écoule, mais je pense pas, c'est pas très creux. Non, je pense que c'est pour le scrap. Ah, tu me diras, parce que alors là, c'est une grande question. En tout cas, c'est super sympa, c'est super joli. Donc j'en ai, donc elles sont toutes pareilles, hein. C'est combien j'en ai? J'en ai 5, 7. C'est ça? Oh, tu étais généreuse en plus, j'en ai 7. Alors, tu m'expliqueras. Tu me diras à quoi ça sert. Parce que j'avoue que je ne sais pas. Alors, moi, tout de suite, là, l'idée qui me vient, c'est les capsules altérées ou les shakers. Mais je ne sais pas. Tu me diras. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous fait plein de big bibis. Moi, je vais retourner à mes emballages cadeaux parce que j'en ai fait plein hier soir, cette nuit. Pour pas dire, j'ai dû finir à 2h du matin, mais j'adore faire ça. Donc, aujourd'hui, j'ai pas du tout scrappé. J'ai été courir faire mes derniers achats et mes courses pour le réveillon. Comme ça, j'aurais plus à bouger demain, à part sortir le chien. En tout cas, la voiture, elle va rester tranquille le 24. Je vais pouvoir me mettre au scrap, surtout demain. Et puis là, j'ai enveloppé, je pense, mes cadeaux. Et puis, faire la déco pour le 25. La déco de table. Big bibis! Et bonne nuit, faites de jolis, jolis dreams, jolis rêves.